Bah, ça parle de quoi, là-bas? Alors, c'est l'histoire des alphas. Donc, les alphas, en fait, tout simplement, ce sont bah, les personnages de l'histoire, qui sont des personnes, si tu veux, ce sont les lettres de l'alphabet, en fait. Donc, les lettres de l'alphabet ont été personnifiées. Donc, les enfants découvrent les lettres de l'alphabet à travers ces personnages-là. Et bien sûr, bah, l'histoire évolue de page en page. Voilà. Et t'as déjà utilisé? Non, j'y vais là, au trimestre 3. Donc, je te donnerai un feedback si tu veux. Mais je sais que c'est une méthode qui marche. Il y a beaucoup, beaucoup d'écoles qui utilisent ça. Et en fait, ils sont en train de trouver les lettres, mais Exactement. dans une manière très créative. Il y a la L Oui, ici. exactement. Exactement. Et tu leur racontes une histoire. Donc, en fait, ils réalisent pas qu'ils sont en train d'apprendre les lettres de l'alphabet. Ils pensent que tu es en train de faire du storytelling, tu vois. Encore une fois. So, everything is about telling stories. Yes. To me, hein? Because I use storytelling for just everything. Oh, you. But I'm noticing, which is interesting, it's actually, and it's wonderful your storytelling for everything, it's not in order. Oui, en plus. Which is actually interesting, because you know, like when you teach things the same way, you can repeat it, but you don't understand Tout it. à A, fait. B, C, Tout D, à mais tu ne sais fait. pas comment lire et écrire. Bien A, B, C, mais sûr. tu ne sais Alors, pas lire et écrire. ce qui est intéressant, have you noticed that with the Jolly Phonics as well? We started with s and not with a. Yeah? It's not in the right order, hein? Well, why is there a right order? In real life, the words don't come in order. I don't know. The Yeah, letters, neither the sounds one, don't come but in yeah, order. tout à fait. Tout à fait. Et le truc, c'est quoi? C'est que with the Jolly Phonics, the kids, they learn A, B, C, D completely at the end. They first learn the sound the letter makes. So we talk about letter sounds Yeah. instead of alphabet. I don't teach It's alphabet. much more important than actual. Bien I sûr. said that to my students as well, yeah. Because it C'est doesn't help them. Okay, A, A. But well. A, on prononce A dans 10 différentes manières. Tu Donc comment comprends? A va t'aider? Exactement. So you just work with sounds and then they can put the sound onto the, They decode. yeah, onto the type of Ouais, word. c'est super. You're trying to make like independent readers. This is what we do, right? Oh, and I'm just gonna add the letters end up meeting each other throughout the story. Exactement, exactement. And this Mm. is what you saw on my wall over there. It's like letters meet.